radio. Les Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, je vais vous dire, Bruce Lee is alive and living in Ardèche. Mais de quoi vous parlez, hein, Berkov? De quoi vous parlez? Eh bien, je vais vous dire ce qui s'est passé lundi dernier entre une religieuse de la communauté, la famille missionnaire de Notre-Dame, et quelques écolos. Et je vous assure que c'était pas piqué des hannetons. Bruce Lee à côté et Arnold Schwarzenegger à côté, c'était du pangolin. Presque. Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour. Sûr, évidemment, la religieuse, la nonne ne parlait pas du tout comme Renaud. Non, non, pas du tout, pas du tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple. Ils sont en train, la communauté religieuse, la famille missionnaire de Notre-Dame, est en train de construire un sanctuaire dédié à Notre-Dame des Neiges en Ardèche. Voilà, donc ils travaillent avec la communauté, travaillent à faire un sanctuaire. Et voilà-t-il pas que des militants écologistes ont dit « Ah, un sanctuaire, mais ça va polluer encore, ça va polluer, ah oui, c'est intéressant, un sanctuaire religieux, mais non, c'est ça qui pollue, hein. Pas tout le reste, pas ce qui se passe en Chine, pas ce qui passe en Russie, pas les rien, rien. Non, non, c'est le sanctuaire. Et alors voilà, et il y avait France 3 qui filmait, on est à la radio, mais je vous raconte. Alors, ils sont arrivés, les écolos, enfin un groupe d'écolos, en train de casser les tubes, etc., en train d'essayer de détruire ce qui s'était en train de commencer. Et on a vu ce spectacle incroyable, formidable, de vraiment. La religieuse est arrivée, elle a plaqué un écolo au sol. Elle est là avec... en uniforme de religieuse, comme on dit, en costume. Et ben voilà, elle est arrivée, elle l'a plaqué. Ils se battent, et voilà ce que j'appelle de la sainte autodéfense. Et oui, c'est important ça, la sainte autodéfense. Alors demain jeudi, il y aura une réunion organisée par la préfète avec les différentes parties du projet. Alors les opposants, quoi, ils veulent faire une ZAD peut-être. Oui, alors les opposants disent, eh bien, écoutez, si ça continue comme ça, si le chantier reprend, eh ben on va faire quoi? On va faire une ZAD, etc. Mais dites-moi, très franchement, moi je sais pas, je suis pas en Ardèche, je prends pas parti, mais foutez-leur la paix s'ils veulent faire un sanctuaire. Mais vous savez, c'est le seul combat que vous trouvez? Non, mais ou alors aller tacher des peintures quelque part, ou alors coller vos mains dans le bitume et vous arrivez même pas à décoller vos mains et vous hurlez à la mort en appelant les pompiers? Non, mais soyons sérieux à la fin, soyons sérieux. Merci. Sud Radio Berkov dans tous ses états. C'est merveilleux la chanson de John Moreau, mais là on n'a vraiment pas envie de rire ni de sourire avec ce qui se passe actuellement au Proche-Orient et ce qui se passe, ce qui s'est passé à propos de cette horreur, enfin une horreur de plus, cet hôpital à Ali avec 500 morts, 8, les uns disent 500, les autres disent 200, les autres disent 300, enfin hommes, femmes, enfants, blessés, etc. Voilà, attaqués. Et alors, pourquoi je vous en parle? Parce que, avant d'avoir, on ne sait pas, alors c'était une agrande, évidemment, les Palestiniens disent, c'est les Israéliens, voilà, qui ont bombardé un hôpital, tuant des centaines d'innocents, c'est un État terroriste, un État criminel, et Israël qui dit, non, c'est une fusée du djihad islamique, qui a été tirée à 200 mètres de l'hôpital, qui s'est abîmée, dont les fragments sont abîmés dans l'hôpital, et aujourd'hui, effectivement, les recherches, Bruno Tertrais en parlait ce matin, et puis d'autres, tendent à dire, je dis bien tendent à dire parce qu'en précaution, tendent à dire que c'est plutôt une fusée qui vient du djihad islamique. J'en sais rien. Et si c'est Israël qui l'a fait, nous serons absolument, évidemment, dans la condamnation la plus totale d'un acte qui, en tout cas, est un acte criminel, quelle que soit la chose. Mais moi, pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce que avant de savoir quoi que ce soit, avant d'attendre les choses, avant d'avoir une enquête, eh ben voilà, les chaînes en continu, les radios en continu, on prend parti et on y va. Et on y va, et allez, on ne sait rien, on ne sait pas ce qui s'est passé. Deux secondes après que la nouvelle est connue, l'horrible nouvelle soit connue, eh bien on parle. Allez, et chacun dans son idéologie, et chacun dans son camp. Alors vous me dites, ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire par exemple que quelque part, tout de suite, Mathilde Panot, hein, de la France Insoumise, 500 civils innocents tués, l'armée israélienne a bombardé un hôpital, des enfants, des blessés, des médecins, des soignantes. Qu'en disent les soutiens inconditionnels du gouvernement israélien d'extrême droite? La France devrait qu'un seul mot d'ordre, cesser le feu. Tout de suite,
Allez, ça y est, c'est fini, c'est fait. Et pas seulement Mathilde Panot, des tas de gens. C'est pas possible, voilà, voilà, encore une fois. C'est-à-dire que ces gens-là, qu'ils soient pro-palestiniens ou pro-israéliens, n'attendent qu'une chose, sans avoir, sans vérifier quoi que ce soit, ils tordent les faits pour aller dans leur camp. C'est hallucinant, je veux dire, c'est vraiment... Et d'ailleurs, Gérard Araud, l'ancien ambassadeur, dit ceci, l'ancien ambassadeur de France aux États-Unis. La vérité sur la responsabilité de la... Écoutez jusqu'où il va. Il dit ceci, et qui est à la fois terrifiant et faux et vrai. La vérité sur la responsabilité de la frappe sur l'hôpital de Gaza n'a désormais aucune importance. C'est faux, mais en même temps, c'est une réalité. Pourquoi ? Et il l'explique, Gérard Araud. L'opinion publique a tranché, c'est Israël le coupable. Toutes les explications n'y feront rien. C'est une défaite majeure pour Israël. Elle aura des conséquences politiques. Sauf que, beaucoup de gens, aujourd'hui, et de plus en plus, mettent en question ceci, parce que, quand même, il y a des gens, et heureusement, qui prennent le temps, et qui changent même d'avis, qui regardent, qui se disent, qu'est-ce que c'est, vraiment ? Et il y a eu la conversation entre deux personnes du Hamas, en arabe, qui disent, effectivement, qui valident plutôt la version, en disant que c'est le djihad islamique qui aurait tiré. Mais... c'est quoi ça? C'est quoi d'aller de... Alors voilà, Tsahal qui dit évidemment, nous savons qu'une roquette du djihad islamique visant Israël a subi un dysfonctionnement et a touché l'hôpital. Le Hamas est responsable, stop à la manipulation. Écoutez, pour le moment, on n'en sait rien exactement, on n'a pas encore le bout de l'enquête. Mais enfin, franchement, mais fermez-la sur vos condamnations. Mais arrêtez de condamner comme ça. Arrêtez de dire, ouais, c'est lui, non, c'est lui. Vous n'y savez rien, vous êtes à 400 kilomètres, vous êtes dans vos petits fauteuils, le cul à l'aise, et puis vous parlez. Mais enfin, franchement, mais c'est grave, parce que vous incitez énormément de gens à passer à l'acte, à faire n'importe quoi après, ici, en Europe et ailleurs, etc. Évidemment, destruction d'un hôpital, les enfants... Mais on a vu ce qui s'est passé à Gaza avant, etc., dans les kibbutz, près de Gaza. Tout ça est quand même hallucinant. Et moi, je vous dirais juste une chose. Je comprends que sous le feu, sous les bombes, et qu'il y ait des gens qui n'en peuvent plus et qui aient envie de tout. Mais je ne comprends pas qu'à 4000 ou à 5000 kilomètres ou à 400 kilomètres, que des gens ou irresponsables, ou cyniques, ou manipulateurs prennent la responsabilité d'exciter les foules à ce point, parce qu'on sait très bien ce que ça donne après. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oui, terrible. Terrible parce que, vous savez, il y a eu, on en a parlé encore hier, hein, la cérémonie, enfin, dans les écoles pour ce professeur à Arras qui vient d'être égorgé, hein, voilà. Et puis, Michaël Paty, la sœur de Samuel Paty, vous savez que ça fait exactement 3 ans jour pour jour que Samuel Paty avait été égorgé par un Tchétchène, et rappelons que c'est un autre Tchétchène, et je ne veux pas jeter la pierre sur les Tchétchènes, mais enfin quand même, qui a effectivement égorgé Daniel Bernard, le professeur. La sœur de Samuel Paty avait demandé le 25 mai dernier à Gérard Larcher et à François-Noël Buffet, respectivement président du Sénat et président de la commission des lois, donc en mai dernier, d'ouvrir une commission d'enquête sur les dysfonctionnements qui ont conduit à l'assassinat de son frère, je rappelle, le 16 octobre 2020. Eh bien, Michaël Paty, donc cette commission a été ouverte, effectivement, par Gérard Larcher, par François-Noël Buffet, et voici, écoutez, une partie de ce qu'a dit la sœur la sœur de Michaël Paty, au sénateur, écoutez. Alors, est-ce que la mort de mon frère a servi à quelque chose? Bon, comme vous le savez, si ça avait servi à quelque chose, peut-être que Monsieur Dominique Bernard serait encore là. Donc, je pense qu'effectivement, les mesures n'ont pas du tout été prises, puisque l'affaire de mon frère n'a absolument pas été analysée. Parce qu'il faut quand même comprendre que ce qui arrivait à mon frère, on peut effectivement pointer des responsabilités à droite à gauche, mais c'est surtout comprendre l'entrisme islamique qui est à l'actuel dans nos écoles et qui prend de plus en plus de place, et que si c'est pas entre guillemets une menace de décapitation, soit on va passer à la menace d'une bombe. La société est devenue un chaos en fait à l'heure actuelle. Voilà ce que disait
Michael Paty, la sœur de Samuel Paty. Voilà. Et je pense que d'abord, c'est courageux, c'est clair. En tout cas, elle dit des choses. Et ce qu'on aurait aimé, c'est que les politiques qui la reçoivent, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, on va revenir au Bataclan, on va revenir à Charlie Hebdo, on va revenir à Mohamed Merah, etc. Non, 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 non. Alors, il paraît que maintenant, on va faire des choses. Mais pour le moment, c'était quoi? C'était la moquette sous... la poussière sous la moquette, la patate chaude, on se la refile. Mais vous savez, il y a les élections bientôt. Alors, les élections, il faut faire attention. Hein. Faut quand même... faut soigner notre clientèle. Hein. Il faut soigner notre fonds de commerce, quand même. On va pas faire n'importe quoi. Vous êtes gentils, mais bon. Ça, c'est pour après. Pour après. Et oui, quand et jusqu'à quand pour après. Voilà. Ce que disait Michael Paty hier, et effectivement, combien de morts auraient pu être évitées. On peut en parler pendant des heures, mais en attendant, au moins quelques paroles de vérité, quelques paroles fortes, quelques paroles claires ne font jamais de mal.